après, on a donné ce bâtiment à notre université, notre jeune université qui vient d'être créée à ce moment-là, en 1575. La salle où l'on est maintenant, c'est une salle qu'on appelle en néerlandais Tuin Kamer. Vous pouvez lire sur l'inscription au-dessus de la porte que cette salle a été restaurée en 1935. Et c'est à ce moment-là qu'on a transféré tous les tableaux et le plafond peint en ciel. On a transféré ici. Et vous voyez donc que le résultat est un résultat. Enfin, extraordinaire, je crois. Je suis amateur ornithologue, donc quand je suis ici, je regarde toujours un peu le plafond, et j'ai constaté que les oiseaux qu'on voit, ce sont des oiseaux de notre pays, et on pourrait même dire que ce sont des oiseaux, généralement parlant, qui sont très bien rendus, de façon réaliste. Vous reconnaissez peut-être, enfin, certains bécassines, il y a un auréole, il y a une espèce de... Il y a là le pivert, j'ai encore... Oui, là-bas, il y a le martin pêcheur. Donc, tous ces oiseaux ont été très bien rendus, selon, disons, la réalité. Sauf une exception notable, c'est le perroquet, là-haut. Le perroquet qui est, d'un point de vue ornithologique, remarquablement mal fait. Mais pour le reste, le mieux serait peut-être de vous accorder la parole pour ce qui concerne la lettre en question. Bonsoir. Oui, alors je suis très touché par votre accueil. Je suis très heureux de trouver dans une salle aussi charmante et en si bonne compagnie. Je suis ici tout simplement parce qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois et demi, nous avons reçu une lettre de certains de vos collègues adressée à l'Académie française et nous demandons de manifester notre solidarité envers les professeurs de ce département de littérature française qui était, semble-t-il, menacé d'être fondu dans un ensemble plus vaste et donc de disparaître en tant que le plus ancien, le plus célèbre et le plus fécond des départements de littérature française de la Hollande. Alors cette lettre nous a beaucoup émus, on a beaucoup débattu en se demandant comment on pouvait rendre le plus possible service à ce groupe de professeurs, et puis aussi à l'avenir de la littérature française dans les études néerlandaises. Et on a conclu que nous écrivions une lettre officielle, aussi officielle que possible, et que je serais chargé de l'apporter personnellement pour donner une signification particulièrement forte à cette correspondance, sans passer ni par l'Internet, ni même par les postes. Nous sommes revenus à l'origine, si vous voulez, de la communication, et donc la plus ancienne et donc la plus imposante. Donc voilà, j'ai apporté cette lettre, et j'espère que ce document figurera au moins dans vos archives, et qu'il pourra vous être utile. Si vous voulez, je peux vous la lire, parce que je ne veux pas la passer, ce serait un peu trop ennuyeux, mais ça, ce n'est pas long. Apprenant le projet de suppression des départements de français, d'italien et d'allemand dans le cadre d'une nouvelle organisation d'enseignement des langues à l'Université de Leyde, l'Académie française s'est émue d'une mesure qui risque d'entraîner le recul des études françaises aux Pays-Bas. Elle n'ignore pas que la plus ancienne des universités néerlandaises, héritière d'une prestigieuse tradition, que, comme vous l'avez dit, je connais particulièrement parce que je suis un ami d'Anthony Grafton, le grand spécialiste de Scaligère, et moi-même je viens d'écrire une préface au Politica de Juste Lips, qui a enseigné ici pendant un certain temps, continue à illustrer avec éclat l'excellence de la recherche en langue et littérature française et assurer la formation aussi large qu'exigeante de nombreux étudiants, dont certains se destinent à l'enseignement du français dans les établissements secondaires.
la qualité de l'enseignement dispensé ne semble pouvoir être maintenue que dans le cadre bien défini d'un département de français autonome qui permet aux étudiants de suivre un cursus complet à la différence d'options offertes au sein d'une licence étendue où la part du français se verrait inévitablement réduite. De surcroît, l'indépendance du département rend seul possible les échanges nécessaires à la vitalité de la recherche entre les diverses institutions universitaires qui, dans le monde entier, se consacrent aux lettres françaises. C'est pourquoi l'Académie française entend marquer son attachement à la spécificité de l'enseignement du français au sein d'une filière propre et tient à assurer de son entier soutien les professeurs de l'Université de Leyde qui s'opposent à la suppression de leur département. Et Mme Cardencos, secrétaire perpétuelle, a signé. Et comme je suis directeur en exercice pour 3 mois, bien, j'ai signé aussi. Je dois dire qu'en même temps que ce message de solidarité, un peu plus officiel, et pas tellement fréquent, hein, l'Académie, c'est un geste vraiment très singulier, très particulier, qui montre à quel point on s'émeut en France dès que la vieille amitié franco-hollandaise peut être plus ou moins ébréchée. Je viens aussi au nom d'une autre société, celle de l'histoire littéraire de la France, que je préside, vous demander si, justement, parmi les professeurs de littérature qui sont ici, l'un d'entre eux n'accepterait pas d'être notre correspondant en Hollande. Nous avons eu des correspondants, mais depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, nous n'en avons plus. Et nous en souffrons. Alors, nous aimerions que vous nous aidiez à désigner quelqu'un qui pourrait nous servir de correspondant, qui viendrait à Paris lors de nos assemblées générales, et qui aussi nous informerait des études et des travaux qui se font en Hollande sur notre littérature passée ou présente. Voilà, donc je vous remets... non pas solennellement, mais amicalement, Madame la directeur, voilà. Alors j'espère que ça figurera dans vos archives. Au moins, au moins. Oui. Madame le vice-directeur va prononcer ou lire une... statement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Monsieur, au nom du rectorat de l'Université de Leyde, c'est un signe d'honneur et un grand privilège pour moi d'accueillir parmi nous le secrétaire de l'Académie française, cette vénérable institution dont le rayonnement dépasse largement le monde francophone et dont les racines, comme celles de l'Université de Leiden, remontent à la seconde moitié du XVIe siècle. J'aimerais vous remercier de votre visite et de votre lettre de soutien au département de français. Le rectorat comprend les sensibilités qui ont été suscités par nos projets de renouvellement de l'enseignement de langue européenne en général et de la langue française en particulier. L'un des grands défis de l'université en ce moment est que les étudiants s'intéressent de moins en moins à l'étude de langue en soi. Nous devons examiner ensemble les possibilités qui permettront de changer cette situation afin de rendre plus attractives les études de langue et l'étude du français. Le rectorat de l'université s'engage cependant à assurer le maintien de l'expertise dans le domaine de la langue et de la culture française. Encore merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup, voilà. Je suis très touché et je voulais attirer votre attention sur un point qui, personnellement, me tient à cœur et qui peut faire partie de ce débat que vous souhaitez sur le combat contre une certaine indifférence de la jeune génération envers le plurilinguisme et une sorte de repli frileux sur un mauvais anglais
qui servent de langue de communication, mais non pas de langue de réflexion ou de langue littéraire. Et c'est, je crois qu'un des problèmes dans lesquels nous heurtons, c'est la notion même de culture. Souvent, lorsque les départements français disparaissent quelque part, ça veut dire qu'on crée à la place un département d'études culturelles, et où il y a un peu de tout. Il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de tout. Et je pense que le mot culture, qui est un mot magnifique, parce que c'est un mot inventé par les latins, qui étaient des agriculteurs, et donc c'est une métaphore qui suppose d'abord une discipline, beaucoup de temps, mais une fécondité spirituelle très, très grande. Cicéron a même parlé de cultura animi, la culture de l'art. Et au fond, aujourd'hui, l'emploi du mot culture est devenu presque exclusivement sociologique. C'est-à-dire qu'on parle de culture de jeunes, on parle de culture d'entreprise, et tout ça est fondé sur des recherches statistiques qui ont leur intérêt, naturellement, mais qui, en fait, passent par-dessus l'individualité, la singularité, l'autonomie de la personne. Les gens qui sont étudiés par les études culturelles sont des gens qui sont anonymes et qui font partie d'une masse, d'un ensemble. Ils n'existent pas en tant que tels. Or, ce qu'on attendait de la formation en latin, que ce soit en latin, que ce soit en grec, que ce soit en français, que ce soit en anglais, ou en italien, ou dans n'importe quelle des grandes langues de culture, justement, au sens ancien du terme, bien c'était de former des êtres humains libres, magnifiques, le plus aptes à affronter les défis de l'existence avec une large marge d'autonomie. Alors que la culture, au sens sociologique, suppose des grands nombres passifs dont on analyse les comportements après coup et en leur laissant une marge de liberté extrêmement faible. C'est pour ça qu'il me semble que même du point de vue philosophique, si j'ose dire, le maintien d'études liées à une langue, à une littérature, est un contrepoids à cette pente que nous avons aujourd'hui de considérer la culture comme un phénomène d'ordre sociologique et glissant même très souvent du côté de la publicité, du commerce et du profiling, comme disent les techniciens du marketing. Voilà. Alors je pense que là-dessus, l'Académie est tout à fait d'accord avec moi. C'est une de nos chevaux de bataille, si j'ose dire. Et je voulais vous faire part aussi de cette réflexion qui n'est pas présente dans la lettre et qui est sous-jacente à cette situation. Je vous remercie. J'espère que vos propos tomberont dans un sol, disons, fertile. Voilà, le retour à la culture de l'art. Thank you.